10 000 pouces bleus, je like it. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue. Et je pense qu'avant qu'elle commence, on a besoin de parler, de poser les choses au clair. Tout simplement parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de flou au niveau de la moto, de qu'est-ce qui se passe, au niveau mécanique, même au niveau des vidéos, comment ça se fait, qu'il y a des trucs, il y a des incohérences. Bon, déjà avant que la vidéo commence, merci à tous du soutien que vous m'avez mis dans la dernière vidéo avec tous les commentaires, comme vous voyez, il fallait faire un réglage carbu. Ou qu'il fallait tout simplement changer des pièces, enfin faire des améliorations, voilà tout ça. Il y a eu plusieurs propositions, donc je pense qu'on va tous partir sur un réglage carbu. Mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi faire un réglage carbu alors que la moto elle tient bien le ralenti, elle est bonne et tout va bien. Juste que avant de passer le rapport, il y a une perte de puissance. Genre il y a un moment, si tu passes pas le rapport, ça perd de la puissance, donc c'est bizarre. Donc bref, tu passes le rapport, tout va bien. Sinon, vite fait, avant de continuer de parler, il y a peut-être des incohérences certaines fois dans les vidéos. Vous avez vu que la moto changeait de couleur, de carénage et tout. C'est juste parce que pendant les vacances, j'ai bombardé les vidéos. Vraiment, j'en ai tourné plein, du coup il y en a plein en stock. Donc ça dépend, quand je vous envoie des vidéos et tout, c'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que des fois il peut y avoir des incohérences, c'est parce qu'il y en a qui ont été tournés avant ou après, bref, ça vous avez compris. Bref, aujourd'hui on se trouve sur la vidéo du serrage, pré-serrage, amorce, on sait pas ce qui se passe, la moto a un problème de fou. Pour vous résumer le problème, vous allez le voir juste après, sinon on va se retrouver en fin de vidéo. Mais là j'essaie de pas trop parler, au moins vous voyez direct ce qui se passe. Aussi, n'hésitez pas à me dire des petits éléments qu'il faudrait changer sur la moto pour qu'elle watte un peu plus. Si limite on met pas un kit, genre peut-être changer de carbu ou je sais pas quoi, ça pourrait être peut-être le feu à faire. Comme vous le savez, j'ai signé officiellement chez 50 Factory, donc ils ont peut-être un petit carbu à m'envoyer. On monte un petit carbu tranquille, on se fait un bon petit truc. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Mais bref, je suis là, on venait de mettre le pot, je fais une ligne droite, je tire dedans, je passe ma sixième, bam, ça s'arrête, ça se coupe, la roue arrière se bloque, je dérape. Si vous regardez bien au niveau de mon cadre, bah ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Heureusement pour moi que j'ai réussi à mettre sur la droite et non sur la gauche et qu'il n'y avait pas de voiture, parce que déjà s'il y aurait eu des voitures, je pense j'aurais paniqué, j'aurais fait un tout droit dans un pare-brise et j'aurais été pas là aujourd'hui pour vous dire ça. Bref, donc faites attention sur la route. Et puis ça, ce genre de petit problème là, c'est la première fois que ça m'arrivait, c'était un peu bizarre quand même. Bref, j'ai eu le bon réflexe de prendre l'embrayage, bref, vous allez tout voir. Mes roues arrière bloquées, après on kick, on essaye, on pense que c'est un serrage, une surchauffe, on sait pas trop. Donnez-moi vos avis en commentaire, je parle pas trop, on se retrouve en fin de vidéo pour continuer de parler. Une fois que vous aurez vu la fin, une fois que vous aurez vu la vidéo, bah venez à la fin, on va discuter dans les commentaires, bah on va essayer de trouver le problème tout simplement. Et je me suis donné un petit défi. Donc qu'est-ce que ça peut être les mecs? Est-ce que vraiment c'est parce que j'ai pas fait un réglage carbu quand on a monté le pot? Donc est-ce que c'est un réglage carbu à faire? Comment on fait un réglage carbu? Parce que voilà, avec le tournevis et tout, dites-moi. Au niveau des gicleurs, vous m'avez dit qu'il faut augmenter des points, mais ça non plus j'ai pas trop compris. Si quelqu'un peut vraiment m'expliquer tout simplement. Oui, tu prends ton tournevis, bam, tu tournes à gauche, bam, tu tournes, hop, vis de richesse et tout. Et pour le gicleur, je crois que je suis en 105 ou 115, je ne sais pas, je sais même pas, mais je suis dans les 100, ça c'est sûr. Vous me dites, bah, pour toi, mets un 100, moi j'achète ça, un 100, on le pose et puis voilà, on verra ce que ça donne. Mais sinon, on ne sait pas ce qui se passe sur la moto, on ne sait pas, peut-être un problème d'allumage. Le moteur, il n'arrive pas à suivre, il est trop haut dans les tours, l'allumage, il fait plus d'étincelles et voilà, c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est aussi une des possibilités. Moi je commence à toucher un peu en mécanique. Maintenant j'arrive à changer des pignons. On est enfin passé en 14, vous allez voir ça bientôt. Je vous ai pas fait de vidéo quand j'ai changé un pignon parce que j'ai mis une heure. Ouais, c'était à mourir de rire. Mais sinon ouais, maintenant je suis passé en 14, on ira tester ça en 14. Voilà, on sait pas trop ce qui se passe avec la moto. De toute façon on va essayer de changer un peu beaucoup plus de pièces. Au niveau des pouces bleus, s'il y a 10 000 likes et 10 000 abonnés sur mon Instagram, parce qu'il en manque même pas 180, on met un kit sur la 50. Sur ce les mecs, bonne vidéo. Bah elle s'est arrêtée. Non. Elle s'est arrêtée. C'est quoi? Elle s'est arrêtée. Elle a serré. Non. Ta gueule. Elle a serré. Non.
Origine, c'est fiable. C'est quoi ce bordel? Attends, non. Fais voir, redécale ta caisse. Ah, je peux pas pour la décaler. Mais non, gros putain, qui ça rase. Non. Pourquoi? Non, il y a une vitesse, il y a plein de vitesses. Mais enlève ces vitesses. Mais gros, pourquoi? On pensait que t'avais freiné en fait. Bah non, et l'arrière il est parti. Gros, on a chié le coup. Attends, t'as regarde. Elle est serrée. T'as vu, on le voyait en plus défiler un coup de balle. T'as plus la chauffe. Oh, Léo. Donne ton tournevis. Elle s'est arrêtée net et l'arrière il est parti. Ah, vous allez mourir. On l'a vu, gros. On l'a vu. Non. Putain, on va se faire écraser. En gros, viens, on va à droite là-bas. On monte dans la voiture. Oh, gros, j'ai envie de pleurer. Là, il va rouler sans casse, le con. J'ai envie de pleurer. Mec. Elle est morte là. J'en sais rien. Mais pourquoi ça sert? C'est un origine. Eh, hey, mouton, j'ai failli lui serrer sa moto, non? Et moi j'ai rien de borné, gros. Pourquoi elle est sur le côté pour que tu rentres dans le... Oh là là, t'as des freins? Ouais bah non non, c'est pas la voiture à l'autre hein. Ouais, c'est fini. Mais gros, la roue arrière, gros, j'ai cru qu'il allait en finir, gros, exploser par terre et tout. J'aurais pu mourir, hein, c'est ça le truc. T'aurais pu réellement mourir. Hein. J'aurais pu mourir. Hein. Roue arrière bloquée, mon cul est parti, j'ai même pas le temps de réfléchir de ce qui se passait. Hein. T'as embrayé après? Ouais, après j'ai embrayé. T'as lâché, on a vu, ouais. Voilà, team, alors c'est Marius du 6-2 en direct. Rejo by Marius. Comme ça, si elle resserre, c'est de ma faute. Je comprends rien! Vas-y, allez, chut, je taille. Ah, le dernier, quoi. Mais wesh. Mais le contact. Elle s'est remis droite, c'est bon, ça tourne. Il a fait un genre de pré-serrage, du coup je vais rentrer avec. Parce que bah si ça sert, au moins je sais quoi faire quoi. Et au moins genre c'est pas... En plus je vais rouler doucement. Et là il a plus trop envie de reprendre sa moto. Bah ouais, parce que vu que ça a fait ça, il a un peu peur, du coup bah voilà. Là le mec, on est mal barré parce que il est pas prêt de repartir là. Bon là avec Marius, on a voulu repartir chez moi du coup pour redéposer la moto, sauf que la voiture de Lucas, elle a plus de volant. Ouais, la direction elle est morte. Wesh. Wesh, va dans la flag, je crois. Wesh. Wesh, il m'a pas, frère, mon dieu. Elle tire plus droit, bordel. Net. Net, boulot. On dirait mes roues, ils sont comme ça ou comme ça. Bon les mecs, alors du coup, Léo il voulait que je vous explique. En gros, juste avant, Léo fait une ligne droite, on teste le pot, on a tout bien fait, tout bien monté, on a bien réglé, on a tout fait et il fait une ligne droite et il fait un pré-serrage. Genre en gros, vous allez voir ça vite. J'en ai marre. J'ai déposé la boîte. Et du coup, vous allez voir sur la vidéo. Bah du coup on allait se refroidir et tout, on a regardé les rushs, pourquoi on a écouté le bruit est un peu bizarre. Du coup là Léo sa moto elle tourne, mais il y a plus de compression. Et du coup les mecs, nous on allait repartir, je prenais sa moto pour repartir parce que j'avais roulé à 2 à l'heure et j'avais écouté le bruit qu'elle faisait et tout. Et avec Lucas il devait partir, et sauf que Lucas a un problème de direction, du coup là il est obligé de forcer sur son volant pour qu'il reste droit. Et du coup bah là on est mal barré. En plus, nous on habite à 20 km, alors payez. Ah, mais en fait, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, j'ai le frein à main. Bah, c'est pour ça, là, ça va mieux. Non. Le pouvoir de Skype. Oh, il avait trouvé. Mais non, gros, regarde, je viens de mettre dessus, là. Oh, regarde. Ah, ça a frotté. Vas-y, attends, une petite. Net. Ah, mec, à la chute. Au pouce. Ah putain, faut y aller fort, gros. Bizarre. Je démarre au quart, mais bizarre. Y'a pas vraiment de bruit. Si, mec, y'a un bruit, hein.
T'entends pas? Accélère un peu. Bon voilà les mecs, on est avec Lucas là. On est avec Lucas, Léo il roule. Mais parce que là on est dans un quartier où ça craint un peu quoi. Ça craint vraiment ouais. Ça craint vraiment, il y a des mecs qui nous tournent autour depuis une demi-heure. Et du coup bah on part vite parce que... Ah mon bras. Ça va mec? Mec il fait un peu froid genre. Ouais, il fait froid toi? Ouais bon ça va, il fait froid ouais. Ne regarde pas derrière Léo. T'as tes warnings? Il y a des... Oh ouais, il y a des voitures. Allez on met de la watt. Qu'est-ce que t'en penses Léonard? Ah j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que... Belle derby avec le pot. J'ai fait 50 factory. Magnifique. Ah je sais pas, mec, à tout moment je fais ton téléphone à 4 millions. Mec elle fait un peu chez vous là. Mon bras il se relâche un peu. Ça fait plaisir. Mec ce soir mec il va avoir des courbatures au bras, le mec il va nous appeler. Ouais je prends le bras. Mec on est à 10 km. Et c'est pas les vrais kilomètres heure. Hein. Ah. Oh, il y a un truc devant là, Lucas. Hey, 10 000 pouces bleus, je mets un kit. Abonnés sur Instagram et je mets un kit. Vraiment 10 000 abonnés sur Instagram, il met un gros kit. Prépa by Marius. Ouais, grosse prépa. Ah, vas-y, chef, vas-y. Non, vas-y, viens, vas-y, toi. Viens, viens. Hello. Coucou, Iron. Casse la couille. Est-ce que j'ai serré la moto? Net. Est-ce que mon père va me péter la gueule? Oui, oui. Net. Bon les mecs, sur ce... J'ai envie de pleurer. Pouce bleu, 10 000 abonnés sur Insta, je mets un kit. Il met un gros kit sa race. Bon allez les mecs. Tchuss Bobs. Allez les mecs, bisous. Bisous Léo. A bientôt, on te lâche ici là. On est... Bon voilà, on se retrouve en fin de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gros bordel. En fait, quand je me suis rendu compte de la vidéo, quand je l'ai montée, j'aurais pu repartir je pense, parce que ça m'a refait la même chose il y a deux jours de ça. Ça m'a refait la même chose avec la moto et je suis reparti, j'ai retapé dedans et c'est reparti comme en 40. C'était bien, il s'est rien passé, juste que ça chauffe un peu. Bref, plein de théories, on sait pas trop ce qui se passe. La moto là en ce moment elle est un peu bizarre, mais bon, elle fonctionne bien, elle roule, elle nous fait des petites coupures comme ça, assez dangereuses. Voilà, j'attends vos avis parce que je sais que dans les commentaires il y a beaucoup de mécaniciens. On se donne le challenge des pouces bleus et des abonnements sur Instagram. J'ai grave envie de le faire avec vous parce que vous êtes une communauté de fous. Certes des fois vous me taillez dans les commentaires et tout. Faut savoir que moi en mécanique je suis pas trop pointu, mais vas-y j'apprends, c'est comme tout le monde, on commence à apprendre. Et il y a plein les commentaires pour me dire ouais fais ça, fais ci, fais ça. Du coup on pioche dans les commentaires, on essaie de trouver des trucs et c'est super cool. Je compte sur vous pour continuer à faire ce genre de choses pour moi parce que ça me fait grave plaisir. Même tous les messages sur Instagram ça m'aide énormément. Bref. Sur ce, bah, on s'attend du coup dans l'espace commentaire pour essayer de trouver un problème, enfin trouver du coup le problème et qu'il faut le changer. Ou sinon tout simplement, bon, on changera tout le moteur. Voilà, sur ces belles paroles, bonne soirée les mecs. Venez sur Instagram, dans les commentaires, les pouces bleus. Abonnez-vous, on est bientôt 70 000, parce que c'est un bon petit cap. Sur ce, ciao.